Oui, en fait, cela n'est pas un problème. Vous savez, la justice belge n'est pas comme la justice au sol d'un individu en République démocratique du Congo. Vous savez que, il y a une certaine agitation de la part des responsables au niveau du régime à Kinshasa qui semble faire de ça un problème. Vous savez que pour nous, nous ne voyons aucun problème, car il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire. Plutôt, il s'agit d'une information judiciaire. Moïse Katumbi avait été intercepté au niveau de l'aéroport de Zaventem avec ce passeport-là que les autorités belges, les autorités de quoi de la douane belge avaient jugé que le passeport n'était pas bon. Mais je vous dis que c'est tout à fait normal dans un État qui se respecte. Mais nous vous disons que Moïse n'a jamais connu ce genre de reproches qu'on lui avait fait. Je vous informe que le passeport de Moïse est un bon passeport, surtout que vous devez retenir qu'il s'agissait d'un passeport semi-biométrique. Et d'ailleurs, pour votre information, 3 jours plus tard, le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, d'ici en RDC, était passé sur les antennes. Nous avons des images de certaines télévisions internationales pour confirmer que c'est eux qui avaient désactivé le système de sécurité du passeport de Moïse Katumbi. Donc, pour nous, il s'agit d'une information judiciaire. Nous ne pouvons pas empêcher que la justice belge arrive à ouvrir une information judiciaire. Le résultat pourra aussi remettre Katumbi dans ses droits. Pourquoi? Parce que Katumbi a été vexé dans son propre amour. Il a un passeport semi-biométrique. Tout d'un coup, Kinshasa met sur pied des passeports biométriques et on désactive le système de sécurité pour l'empêcher de faire des mouvements à travers le monde. Ça, c'est une médiocrité. Finalement, va-t-il rentrer ou pas? Moïse Katumbi est congolais, il va rentrer chez lui. Je ne vois pas pourquoi vous vous posez beaucoup de questions quant à ce. Kinshasa bloque l'arrivée de Moïse et nous savons que Kinshasa va finir par comprendre. Leur calcul était d'empêcher Moïse d'être candidat à président de la République. Et je vous dis que nous n'allons pas laisser les bras et baisser les bras. Nous allons continuer à nous battre. Ont-ils Moïse réussi par va. rapport à cela ou non? Pardon? Ont-ils réussi à bloquer Katumbi de ne pas être Ils n'ont pas candidat? encore réussi car personne n'a le droit de bloquer l'autre. Vous savez, d'ailleurs, eux-mêmes parlent des élections, ça porte à y croire. Kinshasa veut, soit vous refusez les élections Madine Kabila, il n'y a pas d'élection, Kabila reste au pouvoir. Il a présenté un dauphin qui n'a jamais eu d'ambition d'être chef de l'État. Donc c'est quelqu'un qu'on met là pour embrouiller les cartes. Donc nous, nous vous disons que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer jusqu'au bout. Et Kabila doit comprendre qu'il appartient au passé. Et nous, Congolais, nous devons nous mettre debout. Le pays n'appartient pas à Kabila. Et c'est la conscience qui doit caractériser chacun de nous. Le peuple congolais attend Moïse Katumbi 1.3. Ce n'est pas par la force, par la militarisation qu'on peut s'imposer. Compter sur l'armée pour mater le peuple. Les armes ne sont pas fabriquées pour tuer le peuple. C'est pour protéger le territoire national. Mais je vous dis que nous n'allons pas baisser les bras. Kabila doit comprendre qu'il ne va pas diriger ce pays par défi. Nous voulons la paix. S'il lui veut la guerre, s'il lui veut le chaos, ça l'engage. Vous Mais voulez je vous quoi? dis, écoutez, comment on peut aller à des élections? Katumbi est repris dans l'accord de Saint-Sylvestre. Kabila veut boycotter l'accord de Saint-Sylvestre parce qu'il veut maintenir ou il veut se choisir ses candidats. Non, lui, il appartient au passé. Lui ne va pas devenir président de la République après 2018. Donc il doit laisser que ceux-là qui sont en mesure de diriger le pays, qu'ils dirigent le pays. Lui n'a pas à faire des calculs, choisir des candidats, éliminer les uns et les autres. Il veut créer des troubles inutilement. C'est pour cette raison que nous en appelons à la communauté internationale d'ouvrir l'œil le bon. Pour ne pas laisser à Kabila le champ de créer des troubles en République du Congo. Parce que cela risque d'entraîner toute la sous-région, y compris la SADC. Donc, nous devons faire très attention. Katumbi est congolais, personne n'a le droit de lui refuser sa nationalité. Donc, pour cette histoire de l'Europe, c'est tout à fait normal qu'on ouvre l'action judiciaire. Et l'information judiciaire, c'est une information. Il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire. Car Katumbi n'en est concerné Henri. Merci, M. Georges C'est Mamba. moi qui vous remercie.